Donc là, c'était bah, la partie paramétrage. Donc on voit quand même qu'on a défini nos trois axes. Donc là, va apparaître sur les points des trois axes. Ce G-code, justement, les accélérations et les décélérations sont pas dans le G-code, hein, sont après, sont déjà dans le composant là. Là, ce qu'on a vu dans le mode mode, c'est lui, c'est vraiment lui, dans le contrôleur de mouvement, c'est lui qui gère tout ça. Après, à l'origine, enfin, ce que je disais tout à l'heure, Linux CNC, c'est quand même un programme propriétaire d'une boîte. Ça part quand même d'un noyau qui a été un peu développé, pas que par des amateurs. Ouais. Ah ouais. Enfin bon, non, c'est ça marche bien. Quand les alimes ne craquent pas. Ça marche bien. Attends, du coup, on va passer au point AL maintenant, donc celui qu'on a défini dans le. Donc celui qu'on a défini dans le point ini, en fait c'est pour ça qu'il faut commencer par le point ini. C'est là où on va comprendre comment ça marche. Je vois là, c'est le troisième fichier. Alors, donc c'est là où on va charger tous les composants. Donc je vous ai dit tout à l'heure, il y avait des composants temps réel et des composants non temps réel. Donc les noms temps réel, ça charge avec la commande load user. Moins W, c'est pour dire que le programme doit attendre, en fait. Et là, il y a un grand et un petit. Ça ne doit pas faire la même chose. Mais ça marche. Non, c'est normal que ce ne soit pas la même chose. En fait, si vous voulez, on verra. Le composant user mode init, c'est celui qui a affiché toutes les infos au démarrage. Donc c'est lui qui va, sur ma BeagleBone, configurer toutes les entrées-sorties, qui va initialiser toutes mes variables. Donc lui, il ne joue qu'une seule fois, il s'arrête après. Et on attend qu'il soit fini avant de lancer le reste du point AL. Donc ça, c'est le moins petit W. Et le moins grand W, je ne sais plus à quoi il sert, mais ça, c'est des tâches qui vont s'exécuter dans une boucle infinie. Quoi. Donc, le jog, c'est pour mes joysticks, et potard, c'est pour mes potards. Ensuite, on a la partie le temps réel. Donc là, c'est pareil, on charge les différents composants. Donc Trilkins, c'est justement la partie cinématique. Trivial, donc un axe, une jointure. Et là ensuite on charge EMCMOT, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le point ini, dans la section EMCMOT, la variable EMCMOT, c'est mot mode. Donc on le retrouve là, donc là c'est load mot mode. Avec le base thread, celui qu'on a défini en floating point déjà, et avec la période qu'on a définie dans MC mode, base période, ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà pour la partie cinématique, là c'est de là. Ensuite, là c'est les drivers que j'ai développés, donc RT mode EQEP, donc pour lire les encodeurs. Donc j'en ai trois, un par axe. PWM, c'est pour contrôler les moteurs, j'en ai trois par axe. La partie contrôle des GPIO. Donc là, c'est pour l'activation de la partie puissance, les fins de course aussi, le capteur de niveau d'outil. Et typiquement, c'est sur ce composant-là, sur la base de ce composant-là, que j'ai développé les stepper moteurs. Et là, les PID, donc le composant PID qui permet de détecter automatiquement le PID, c'est ATPID. En fait, tous les composants utilisables par Linux CNC sont documentés, en fait, ont des MAN.
des pages MAN sur Internet ou même, je crois, sur Linux. Donc là, en fait, ils sont chargés. Okay. Ensuite, dans chaque composant, on a défini des fonctions. Pour les UQEP et UDET position, donc, il m'en a créé, comme j'ai dit qu'il en fallait 3, le Kun 3, et personnalité 1, 2, 3, il m'a créé 3 fois les fonctions, les mêmes fonctions UDET position pour chaque axe. Donc là, moi, je les ajoute au base thread, donc le thread le plus rapide. Pareil pour les PWM, pareil pour la GPIO Power Control. Ben, c'est ServoThread, la GPIO, du coup c'est pas le même. Oui, pardon. Du coup je l'ai mis en moins rapide parce que. Je sais pas, je savais. Parce que t'as un base et un cerveau, quoi. Ouais. En fait, je crois que je l'ai repassé en ServoThread parce que c'était toutes les millisecondes, donc c'est, ça va déjà. Et parce que je voulais intégrer, je voulais tester le calcul des PID le plus rapide possible. Parce que dans les exemples que j'avais avant, il était dans ServoThread. Moi, je voulais voir si en les mettant dans BaseThread, il détectait moins d'erreurs. En calculant plus souvent l'erreur, si l'erreur, il arrivait à la corriger, et donc que l'erreur était moins. Ça marche. Ça marche. Donc là, en fait, donc on ajoute les fonctionnalités aux différentes threads. Donc ça, c'est valable que pour les composantes en règle. Ensuite, on peut, dans chaque composant, il y a aussi forcément des paramètres et des paramètres et des pins et qu'on peut configurer avec les 7P. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les composants entre eux, ils vont communiquer via des nets et à travers des pins, quoi, de pin à pin. Donc, typiquement, là, pour le joystick, j'ai créé un net jog xuplink qui a pour entrée la pin user jog 0 x jog in up. Donc qui est en fait l'action sur le joystick représentant X d'être en up quand l'incrément du jog est pas continu. Donc il y a un incrément à faire. Là, tu vois. Et donc ça correspond via la commande AUI à l'incrément plus, donc ça va faire bouger le. C'est ce qui, en fait, ça, c'est ce qui va faire bouger le motion controller, quoi. Ça va lui dire de bouger d'un incrément à chaque fois. Donc, il va prendre la variable incrément pour savoir de combien il doit se déplacer. Et du coup, c'est ce qui va se traduire par le mouvement qu'on observe. Ça, c'est potard. Alors, en fait, il va prendre la valeur du potard. D'accord. Pour savoir de quel incrément il doit se déplacer. D'accord. Et du coup, il doit se déplacer, quoi. Donc ça, vraiment, physiquement, c'est cette variable-là, moi, dans mon composant, le composant user mode jog, que je mets à 1 ou un 0. Et donc ça va se traduire, ça va envoyer le 1 ou le 0 à cette variable, à cette pin-là, qui va se traduire par... Attends, AUI, c'est le motion control, c'est ça ? Non, le AUI, c'est justement le composant que j'ai chargé pour transformer, pour avoir les pins externalisées. Il ne pas être obligé d'être en interne, enfin, sinon il c'est... Expose, ouais. Lui, il t'expose... Ouais, voilà, il m'expose des pins qui ne sont pas accessibles sinon. Et la GUI, c'est ça que tu disais. Ouais. Bon, après, j'attaque aussi la GUI directement parfois. Enfin, c'est un peu... Peut-être il y a plusieurs chemins aussi pour faire la même chose. Hein. Ouais. Tu sais, c'est de l'open source. Hein. c'est une Alors, c'est unidirectionnel dans le sens où il y a une pin d'entrée et il peut y avoir plusieurs pins de sortie. D'accord. Parce que les pins sont typés en entrée ou en sortie. Mais il n'y en a qu'une d'entrée et qu'une de sortie. En fait, là, c'est une des représentations qu'on peut avoir. Bah, là, on voit là, pour le potard, là. On a la user mode jog 0, jog in. Donc ça, c'est qui va me donner l'incrément, en fait. Donc 0 pour le continu et puis sinon... Lui, il va se répercuter sur tout ça. Il va changer tout ça. Parce qu'il est valable pour tous les axes. Donc,
Donc là, c'est quand tu écris ton driver, la user mode job, c'est un truc que tu as mon composant. Ton composant, ouais. Tu dis à un moment, j'exporte tel pin. Ouais, tu les définis normalement à 5 heures du matin, on voit les compiler. Là, c'est vraiment, enfin, là, on comprend vraiment que c'est le fonctionnement de la machine. C'est là où tu routes tout, où tu peux faire ce que tu veux. Quoi. Ouais, c'est vraiment puissant. C'est vraiment sympa. Et du coup, je sais pas, moi ça fait 2 ans que je suis ici. Enfin bon, du coup là on configure les paramètres des différents composants. On peut revenir et tout ça c'est ce qui est défini dans le fichier de paramétrage. Mais tu vois comme je suis un mauvais élève, ben moi je fais des 7P directement avec des variables en durée ici. Quoi. Enfin, pas avec des variables. Attends, t'as pas encore vu ma façon de coder des drivers. À mon avis, tu vas halluciner. Là, j'ai mis un commentaire. En fait, si jamais quelqu'un a besoin d'utiliser des drivers ou tu dois configurer le PID, pour pouvoir le faire, il faut désactiver des liens entre la partie commande et la partie génération de PWM en fait. Donc faut couper la patte pour pas que le logiciel reprenne la main et change. Parce que comme le composant il va faire une séquence de mouvements pour définir ses PID. Ben, ça va être hors tolérance d'erreur, par exemple, et du coup, le logiciel, lui, couperait directement la puissance, donc il n'y a plus rien qui marche. Donc il y a un truc à faire manuellement. Mais je pense qu'ils auraient pu l'intégrer via les possibilités de Linux CNC directement avec un bouton pour dire test à faire. Là, pour les props, pour les fins de course, et il y a une partie qui pourrait être intéressante sur les end stop, qu'on pourrait très bien avoir un vrai bouton. Tu sais, nos boutons qu'on a chacun sur nos machines, mais qui sont à côté et pas cachés, on pourrait l'avoir et qui interagit directement avec Linux CNC. Ça, c'est des choses que je n'ai pas trop regardées encore, c'était dans les fichiers d'exemple. Oui, mais c'est ça. Un bouton physique qui simule l'appui sur ton bouton stop dans la machine d'antagine. Ouais. Ton bouton stop, ouais. Comme tes potards simulent ton déplacement de slider. Exactement. Donc là, c'est vraiment la partie. Il y a deux niveaux de stop. Il y a ton stop logiciel, mais c'est bien d'avoir un stop sur la puissance. Sur la puissance. Sur la puissance. Parce que là, ton stop logiciel, si ton logiciel il est parti en vrille. Ouais, mais sauf que tu vois, tu peux très bien ton bouton stop, ton vrai stop, indiquer dans Linux CNC que tu as fait le stop, et il le prend en compte ou il ne le prend pas en compte, mais aussi couper la ligne, parce que couper la ligne, la puissance de la ligne, enfin, sur les données que j'ai là, même si ça se fait tout seul, c'est juste une pin à mettre à la masse. Quoi. Ouais. Tu vois, je peux l'allumer, avoir le 5 volts. Faire en sorte que ton bouton d'arrêt d'urgence, c'est 2 actions. Oh merde, je perds des gens là. On en a plus tout à l'heure. Bah, c'est vrai que c'est vrai. Faut aimer le code. Enfin, moi je le pense. Si, j'aime bien. Bah, c'est surtout de l'avoir bougé quoi. C'est le résultat qui fait plaisir. On va revenir sur la présentation, parce qu'on a fini nos deux revues de code. Donc alors, vraiment le point ini, le paramétrage de la machine, et le point al, les différents composants et leur interaction. On peut mettre des S, tout ça, faute d'orthographe. Vous êtes habitués maintenant. Vous avez vu que ça. Donc les différentes possibilités.
Donc ce que j'ai dit, c'est ajouter des éléments dans le GUI via PYVCP, c'est assez simple. En fait, typiquement, ce que je vous disais tout à l'heure, au début, il n'y avait pas le touch off Z. Il n'existait pas quoi, sur l'interface classique Axis, il n'existe pas. Donc pour ce faire, en fait, on crée un fichier XML avec la syntaxe qu'on voit là sur le côté. Donc le label, bah, c'est le nom. Hein, là, c'est pas l'exemple du touch off. C'est un truc. Donc c'est ce qui s'affiche. Et ensuite, il y a plein de types d'objets qui sont prédéfinis. Donc typiquement, une barre, ça va être une barre par exemple pour la vitesse de rotation d'une broche. Et on va lui associer une pin. Et la pin, elle sera accessible via ce nom de variable pyvcp.0.speed. Ce qui te permet d'interagir avec le bouton que tu as créé toi-même. Quoi. Là, à partir de là, tu fais à peu près ce que tu veux. Quoi. Parce qu'il y a, je dis, il y a des barres, des LED, des boutons à cocher, des metteurs, donc ça c'est un cadran, tu vois, c'est comme la barre pour afficher la vitesse, etc. C'est sympa. Ensuite, un point AL, ici pour définir les interactions. Donc là, on crée un lien entre le PYVC Spindle Speed et cette pin qui est sous-entendu exister dans le point AL qu'on a configuré ou dans un des composants qui a été chargé dans le point. Celui-là donnant la vitesse RPM, et donc ça affichera. Ouais. Du coup, là, c'est tu viens rajouter dans ton interface. Un affichage. Ouais, là, je vous ai montré le bouton, mais en fait, grosso modo, là, ce que ça rajoute, c'est une barre avec le nom au-dessus, et puis en fonction de cette vitesse-là, bah, tu vas avoir un curseur sur la barre et la valeur en dessous qui bouge. Et est-ce que tu peux rajouter un deuxième net pour faire dans l'autre sens? Ouais, typiquement, les boutons. Ouais. Les boutons, Sur ta barre, là, par exemple, tu pourrais mettre net PYVC spindle speed, flèche, vert. Une pin qui positionne ta vitesse. Bah, tu pourrais. En fait, tu peux. Ce qui existe là dans les objets, tu vas avoir un onglet en fait où tu vas pouvoir régler une vitesse par exemple. Là, tu peux l'envoyer vers autre chose dans l'autre sens. Je ne sais pas si c'était un peu ta question. C'est un champ texte, c'est ça, un truc comme ouais, ça de, ouais, un champ texte ou avec des flèches sur le côté. D'accord. Ah oui, pour dire, la barre, c'est un widget d'affichage. Ouais, c'est ça. La barre, là, c'est que affichage, je crois. Donc, le point pour définir les interactions. Et il faut le définir dans le point ini, mais on l'a vu tout à l'heure, hein, dans le display on ajoute PL qui pointe vers le XML, et dans le point AL on rajoute donc post-GUI alpha et le point AL qui contient cette valeur-là. Donc là on comprend que c'est post-GUI parce qu'il faut que le GUI soit déjà chargé pour que ce net là, que ce pin là existe. En fait. Du coup là tu peux rajouter typiquement vous faire pas. Mais sur la CNC 3D, et ben, sur le côté, j'ai une barre pour la température bed, une barre pour la température de l'extrudeur et une barre pour la vitesse du ventilo. Et tout à l'heure, là, quand on regardait les points INI et points AL, ben, en fait, pour passer en imprimante 3D, il faut rajouter un moteur, le stepper moteur, donc j'ai rajouté un composant, j'ai appelé RT mode step, qui est basé sur celui des GPIO, ce que je disais tout à l'heure, et juste des composants, c'est pour ça que je voulais dire, je me suis perdu. Et oui, et j'ai uniquement rajouté un axe, parce que en fait au début, je ne savais pas comment c'était le G-code pour une fois que c'était slicé,
Donc j'ai pris Slicer, j'ai slicé un truc, j'ai regardé le code, et en fait il rajoute juste un axe. L'axe A comme un quatrième axe, quoi. Comme si c'était une broche, mais c'est l'extrusion, quoi. Il donne en millimètres la valeur extrusée. Donc en fait, ce qui fait que tu as quatre axes, X, Y, bon, ton Z, il ne va pas bouger, il est plomb par couche, quoi. Mais du coup, il te dit, va à tel endroit, et en arrivant à tel endroit, tu dois avoir mis tant de millimètres de fil. Donc, avoir extrudé tant de millimètres de fil. Donc tu vois, la corrélation, elle est faite directe juste en, en rajoutant un axe, quoi. Il n'y a rien à faire. Bon, ça c'est un aparté, ça n'a rien à voir. Enfin, si, on est parti de l'affichage des températures et tout. Donc il y a la référence, hein, un lien de référence, en fait c'est bien documenté. Hein. On voit tous les widgets. Les autres possibilités, bah, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc là, c'est plus sur la partie trajectoire. Pour le M-code, donc c'est ajouté de M100 à M199 une action à faire. Donc, pour ce faire, en fait, dans le G-code, on va avoir des M106, ça doit être démarrer le ventilo, P50 par exemple, ou P05, ça va être à la moitié de sa vitesse. Donc, ça, c'est Slicer qui va ajouter ça dans le G-code. L'impression 3D. Les M, c'est des commandes ouvertes. On les définit comme on veut. Donc, c'est ce qu'ils ont utilisé pour les imprimantes 3D. Mais tu as étudié le G-code généré par Slicer ou c'est toutes les imprimantes 3D? Non, tu sais, c'est comme ça. Ouais. Après, tu pourrais utiliser d'autres si tu as envie. Donc, comme on va sur Slicer, il faut définir le 104, 105. 104, ça doit être. Atteindre telle température et attendre que cette température-là soit atteinte avant de faire quoi que ce soit d'autre. C'est pas normalisé, mais c'est... Alors, pour la découpeuse laser, il y a un composant directement qui gère le TTL, pour les temps d'ouverture et de fermeture du laser. Non, c'est pas énorme, mais même la partie extraction, tu pourrais imaginer de la contrôler. Ouais, tu peux faire tout ça. Il y a déjà des projets de laser sur Linux ANC, enfin, il y a vraiment plein de projets. Extraction d'air, c'est-à-dire qui existent. Après, c'est souvent avec des cartes. L'aspiration, c'est pareil. Après, c'est souvent avec des cartes propriétaires, et du coup, à l'époque de la Charlie, on n'avait pas d'argent. Le but, c'était d'essayer d'avoir une CNC sans dépenser, quoi. Sinon, ça aurait été plus facile d'acheter des cartes compatibles. Donc là, c'est assez simple, on fait juste, il faut juste créer un fichier, un exécutable, ou un fichier Python, enfin ce qu'on peut, M100, par exemple. Et dès que le G-code, l'interpréteur, lira une commande M100, et ben, il exécutera ce qu'on veut. Et dans l'exécutable, on peut aussi faire appel aux pins, etc. Là, j'ai pas développé, mais dans la référence, on voit, c'est bien expliqué, on peut lui dire, bah, mets tel pin à 1, il y a différents types de pins, des W1, des RM, donc du coup, mets tel pin à 1, là, typiquement, c'est M100 allume ça, allume la résistance chauffante, tu mets tel pin, tel GPIO à 1, ça allume ta résistance chauffante. Basta. Là, ce que je disais, on peut ajouter du code NGC exécutable dans le point AL, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la commande, sur la partie A8 où on avait la MDI commande, nous on avait autre chose. Normalement, le W5 c'est GFX, une commande G-code, quoi. Et ensuite, dans le A8, on peut la faire exécuter en appelant la MDI commande 00 pour la première, si tu en mets une deuxième 01. Ça te permet de générer un G-code qui sera exécuté, de faire un mouvement de ta machine directement par ton composant, en fait, en utilisant la trajectoire. Les gros codes, là, donc c'est ce qu'on a vu, nous, dans notre partie MDI commande, c'est donc un enchaînement de plusieurs commandes MGC. Des déplacements automatiques, donc la routine pour la détermination de la longueur de
l'outil, ce que je disais tout à l'heure, il va descendre, il chope le contact à telle vitesse, il chope le contact, et quand il remonte, il revoit quand le contact se met, et après, à partir de cette position-là, il calcule pour se mettre à 10 mm. C'est pas réglé, hein, 10 mm, ça correspond à rien, c'est juste que ça y est. Quoi. Oui. Donc ça te permet d'avoir vraiment des routines, quoi, et c'est assez simple, tu l'appelles en faisant « haut de son call », et du coup, il faut que tu aies créé un 200.NGC. Et là, tu peux, dans ce 200.NGC, tu as ton G-code, mais tu peux mettre des boucles, des itérations, enfin, tu peux mettre ce que tu veux, c'est vraiment de la programmation, quoi. Et donc, tous les exécutables, il faut les mettre dans la partie, on a donné un chemin à un moment, là, dans le, je ne sais plus si vous vous rappelez, dans le point ini, on avait un chemin préfixe programme ou un truc comme ça, bah, faut mettre tous les exécutables dans ce fichier, dans ce dossier, c'est là où il va chercher. On peut en mettre plusieurs. Pareil, après, les commandes, elles vont avoir une importance, elles vont être exécutées séquentiellement, en fait. Tu vois, pareil, dans le al, dans le point al, c'est séquentiel. Il y a un paramètre pour lui dire de faire une double vérification. Donc, à la première itération, s'il voit des choses qui n'existent pas, typiquement, tu peux créer un net. Tu peux pas créer un net si... tu peux pas... Là, moi, je définis toujours mes nets avec une pin d'entrée et les pins de sortie directement, et puis le petit signe égal et la flèche, là. Mais la flèche, elle n'est pas obligatoire. Et en fait, on peut très bien juste définir le net et mettre une pin. Et après, remettre une flèche et mettre une autre pin. Et ça veut dire que le premier, c'est la pin d'entrée, le deuxième, la pin de sortie. Parce qu'il n'y a qu'une seule pin d'entrée possible. Mais bon, enfin, moi, j'aime pas cette représentation-là. Et du coup, en fait, ce qui peut se passer, c'est que tu as ton net qui peut être défini juste avec un égal, donc la flèche de sortie, pour dire que c'est la sortie, et le fichier sorti, sans l'avoir déclaré avec la pin d'entrée. Et du coup, il va te péter une erreur. Mais tu peux double vérifier, comme ça la première fois il ne pète pas d'erreur, et puis après il le rescale. Autant essayer de faire un truc un peu propre. Puis moi je trouve que c'est plus lisible de mettre l'entrée, la flèche et puis toutes les sorties derrière. Bon, c'est ce que j'ai adopté. Voilà. Le poche où il y a quand même pas mal de possibilités parce que tu pourrais très bien. Enfin, contrôler des robots avec ça, en fait. Parce que tu peux... tes fichiers, ils peuvent être dynamiques aussi. Hein, tu vois, tu peux, parce que bah, c'est des descripteurs de fichiers, donc ça marche. Tes pipes, tes trucs, tes machins, tout peut marcher, en fait. Donc tu pourrais très bien, au fur et à mesure, lui donner, changer des instructions, automatiser plein de choses. Il y a déjà vraiment le cœur du mouvement qui est là. Et tu arrives à faire bouger des machines bah, sans rien connaître à la mécanique, la cinématique inverse et tout. Enfin, une fois que tu sais que tu n'as pas besoin de connaître tout ça, parce que tu regardes tout ça, je ne vais jamais y arriver. Enfin, comme pour les drivers et tout, après, on va voir qu'en fait, une fois que tu sais comment faire, tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Enfin, c'est juste, on va vouloir tout comprendre avant de faire quelque chose, mais j'en avais marre de pas avancer. En se lançant, c'est pas mal aussi. Quoi. Vraiment un gros marcheur, tu lui ajoutes autant d'axes qu'il y a de... Ça peut vous dire qui... Ouais, tu pourrais... Bah là, après, ça va être plus compliqué parce que la cinématique, elle va pas être connue de Linux NC. Donc là, faut... Tu vois, le mode que j'ai utilisé, voilà, moi, le TriKit... Enfin, il y en a d'autres qui existent, hein, mais il n'y en a certainement pas pour... Mais il me semble que pour les bras articulés, il y avait, et à mon avis, je me demande s'il n'y a pas pour... ce type de bras, il faut regarder en fait, ce qui existe. Ce serait logique, enfin, c'est industriel comme type de bras, donc c'est logique. Ah, c'est, oui, c'est assez connu comme type de mouvement. Quoi. Comme type de mouvement. Okay.